tous les cas sur Crash FM pour une spéciale dédicace à tous mes fans qui sont accros à Burnout. Ils se reconnaîtront. Reste bien calé sur Crash FM. Hello, de DJ Diabolica Crash FM, de Monsieur DJ Diabolica Crash FM. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 32e épisode de Burnout Paradise Remake. Et cette fois, 4 épreuves de track, 2 épreuves de séquence cascade et 2 épreuves de road match. Et donc voilà, cette fois, ça s'annonce. Toutefois, fixé, dur. Mais on se battra de nos jours. Voilà, donc c'est ce qu'on dit. Épreuve de track, s'il vous plaît. Je vais pas passer une éternité non plus. Trop loin. Bon, bah du coup, je vais faire une ellipse. Et comme ça, on se retrouve juste après. Donc à tout de suite. Allez, l'épreuve juste ici. Et on y va. Va au nord-est jusqu'à Waterfront Plaza et survie. Waterfront Plaza et survie. Allez, c'est parti. Venez me faire du mal, mais je dois m'échapper. C'est tout ce qui compte. Donc pour ce faire, vous allez vous dégager. M'en veux pas, s'il vous plaît. Je dois m'échapper. Et c'est comme ça que ça se passe. Oula. Il est arrivé derrière. Il est arrivé devant là. Je suis trop rapide que vous. Vous pouvez rien faire pour m'empêcher. Et je suis arrivé sans abîmer une rayure de ma voiture. Donc cette fois, voyons voir ce que je peux. Je vais aller aux épreuves juste là. Donc c'est parti. Pour atteindre ton objectif. 250 000 points. Ah ouais. Allez, c'est parti. Pour 250 000 points. C'est parti. On va prendre un grand saut qui est juste là. En accélérant, bien sûr. Hop. Non. Avril, je veux dire. Hey. Ok. Peinture changée, nickel, ça me va très très bien. Oh, ah, bien sûr. À
l'essence, vite. Yes. Boost. Serais-tu capable de faire comme ça? Ouais. Ouais, bon. Bon, c'est pas une joyeuse très forte. On est loin d'être riche pour l'instant. Parce qu'après, une fois l'épreuve de Rodel Wage sera fixée très dure, ça va pas. Je vous le promets, ça va vraiment le barder. Ouais, c'est péril. Ah là, je peux m'arrêter quand je veux. Yow. Cascade échouée. Hop. Cascade échouée. Ah oui, ok, je vois. Allez. Contrôle terminé. Ah bah, tu m'étonnes. Bon. Maintenant, si nous changeons une autre caisse, on va prendre directement une voiture de légende. On va prendre ça. Un prototype. Le prototype. Désolé, c'est le prototype. Et on va faire donc une épreuve de Et l'épreuve de Rodel Wage n'est pas ici, j'ai déjà fait. Rodel Wage. 18, total. C'est parti, venez. Venez. On va se faire plaisir. Non. Par contre, là, non. Non. Vous commencez à me gaver, là. Non, mais.
Qu'est-ce que c'est que cette manière? Non mais c'est quoi cette manière? Vous allez au takedown? Tout de suite! Voilà! Oh mais c'est pas possible, il se déglingue. Ouais c'est ça. Venge-toi autant que tu le souhaites, mais ça passera pas comme ça. Le garage n'est pas loin, donc je vais y aller. Comme ça, il y aura pas de soucis. Voilà. Là, ça c'est fait. Hop. Bon, bah je crois qu'il était temps que j'aille au garage tout de suite. Oh, putain. J'ai cru que j'allais déraper. Non mais qu'est-ce que c'est que c'est? Et en plus, il me reste pas beaucoup de temps, donc donc il faut que je me manie là. C'est pas possible. Ah là 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 là, mais qu'est-ce qu'ils sont forts? Voilà, voilà. Comme ça, je pourrais me venger. Allez, voilà, ça commence. Hein? Ça commence, hein? Voilà. Comme ça. Va dans le vide. Nickel. Dans la zone morte, bien sûr. Yeah! Voilà. Voilà. Déjà j'aime ça. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Yes! Inarrêtable. Inarrêtable. Le bébé. Ah. Ah ouais hein. T'as rien vu venir. C'est ça. Yes! Arrête-moi autant que tu te souhaites. Mais voilà, au final, je suis trop fort. Il reste deux takedowns. Donc, yes, nickel. Yes. J'ai accompli mon objectif. Faites ce que vous voulez, de toute façon. J'ai battu le record en Rodden Wage. Au début, c'était pas top. Hein. Il y avait des. Il y avait les deux espèces. Hein. Qui m'a déglingué de manière brusque. Donc honte à vous dans cette première démonstration du Rodden Wage. C'est ça. La vengeance dans la nuit. Quand tu penses que j'ai une voix assez
assez trash. C'est parce que voilà, j'écoute trop du trash metal en fait. On s'amuse tout de même, non? Oui, c'est bien. Ça vaut le coup d'essayer. Oh, y arrêter, de me déglinguer comme ça. Ça sert à rien. Ça sert à rien de me déglinguer. Voilà, nickel. Voilà, ah ça c'est beau. Ça c'est très très beau. Voilà. Oh là 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 là. Voilà. Ah. Il paraît que Paradise City avait un aéroport international, mais il s'est écroulé dans la mer après une violente tempête. Ça craint. Où est-ce que je vais prendre l'avion pour aller à Tahiti, moi? DJ Diabolica, l'homme trotteuse contrariée sur Crash FM. Qu'est-ce que je viens d'entendre? Oh, oh là là, la grossièreté du jeu! Non mais... Peggy 12 quoi. Non, Peggy 16. Non mais sérieux, la grossièreté du jeu. Ah là, c'est Peggy... Peggy 12 ans. Il pensait que c'était Peggy 7, mais en fait non. Il y a de la grossièreté. Mais bon... Si c'est vraiment... C'est vraiment très très peu de concerté. C'est légèrement moins enfantant comme jeu. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non mais... Il a tourné de manière brusque. Non mais c'est quoi ça? Il a tourné de manière brusque. Déjà tu vas te calmer, hein? Ça sert à rien. Donc ça sert à rien puisque je gagne. Voilà. J'ai à peine réparé ma voiture et ils vont me déglinguer encore. Sérieux. Tout ça c'est n'importe quoi. Allez. Mais allez. Boum encore. Et c'est lui qui m'a fait... qui m'a dirigé directement. Là-bas. Ouais bah pardon, tu m'as pas poussé donc c'est bon. Ouais bah c'est ça. Fais donc un pot de colle. Rien à foutre. Voilà. Mais entre vous et moi ça marche pas. Les tracteurs. Bien, j'accélère. Mais de manière hors la loi, bien sûr. Je sais pas si c'est hors la loi, mais... Oula. Ah mais hein.
mais je suis près de l'arrivée de toute façon. Voilà, 75 victoires, parfait. Et cette fois, séquence cascade à côté. Allez, c'est parti. Enchaîne les cascades et atteint l'objectif. C'est la séquence cascade. 230 000 points, ah oui. Marche arrière, hop, je vais aller directement à côté. Voilà, c'est juste ça. Obligé que ça marche puisque je vais faire des vrilles comme ça. Voilà, donc je gagne beaucoup plus de points, beaucoup plus de points nécessaires. Voilà, ça n'a pas dû marcher pour le coup. Et c'est pire que voilà. Il reste... Il reste très peu de temps. Donc faut pas que je me déglingue. Parce que sinon, autrement ça va être perdu. Je parle bien du principe, hein, bien sûr. Faut gagner beaucoup plus de points. Beaucoup plus de points nécessaires. Alors, si nous faisons un saut, c'est juste là. Hop. Nickel. Oh, j'ai cru que j'allais rater. C'était chaud quand même, hein. Ah là là. Et juste au moment où je gagne, il y a le lever du soleil et la sonnerie du matin. La cloche. Allez, on se lève de bonne heure, on va aller se bosser. C'est l'heure d'aller bosser. Voilà. C'est parti. Attention,
Takedown encore. Alors, cette fois-ci, à sans faute, ça serait pas mal. Oula, j'ai cru que j'allais. Allez, va te déglinguer. Voilà. Voilà. Une voix de trash metal que je suis en train de faire. Là. Oh mais là. Je m'engage, voilà, dans une scène de trash metal. Et c'est DJ Diabolica, vous écoutez en ce moment le style de qui est metal alternatif avec quelques influences du metal symphonique mais qui est souvent du metal. Voilà. Et c'est l'annonce de DJ Diabolica, la voix de Crash FM. Bonne conduite. Voilà. Vous pensez pouvoir que je vais m'arrêter? Hein? Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, je voudrais tellement atteindre l'objectif que je gagne, que je vais gagner tellement de succès sur Bernard Paradis. Et voilà. Cette fois, je peux m'arrêter quand je veux. Parce qu'autrement, ça va être une vidéo beaucoup, beaucoup trop longue. Beaucoup trop longue. Et je crois qu'on est déjà rendu à la dernière épreuve de Rodden Wedge. Donc il reste encore deux épreuves de track. À terminer, bien sûr. Tellement frustrant à quel point tu joues aux jeux vidéo mais que tu gagnes beaucoup plus de l'argent réel, mais qu'est-ce que c'est frustrant hein, vraiment non mais tu t'en penses, c'est d'autant plus frustrant qu'en fait tu perds et qu'au final tu pètes la cape. Mais c'est infernal. Vraiment c'est infernal. Jusqu'où j'irai me déglinguer. Bon, déglinguez-moi en tant que vous le souhaitez. Donc j'ai atteint l'objectif. Hein. De toute façon, rien à dire. Je vais aller au garage.
Ah, nickel. Là. Là, ça c'est fait. Là 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 là, mais c'est pas possible. Ah. Ah. Voilà. Oh, c'est pire que le trash metal. Voilà. Nickel. Comme grand vire sur zone. Bon, à vrai dire, je pense que il reste encore deux épreuves de fat. Et qu'après, je vais faire la c'est tout ce que j'ai à dire après. À voler le scène assez mythique. Mythique de Crash FM Paradise FR. Ah mais non, mais c'est pas du tout ce que je voulais, mais c'est pas possible. Oh, c'est pas possible, vous allez me faire pleurer. Mais arrêtez, c'est bon, mais arrêtez. Oh non, 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 mais vous êtes... Vous êtes genre... Un sanglier, voilà. J'appelle les sangliers. Voilà. Pas t'éclaguer, merci. Je pense que je ne tiendrai pas de... Je ne tiendrai plus debout. Je vais aller au garage tout de suite. Voilà. Hop, hop, hop. Tu vas où, toi? Vite. Voilà, merci. Maintenant. Ça suffit. Ça suffit. Ah mais il résiste toujours hein. Sérieux. Il résiste toujours, c'est ça. Il va se calmer le diable. Ouais mais c'est ça, c'est ça. Ouais c'est ça. Ouais. Voilà. 72 victoires à terminer. Et maintenant, dernière épreuve de track. Hop.
rappelle que cette voiture-là, ce prototype, c'est une type de boost vitesse. Mais ça permet honnêtement de participer à Road & Wage. Course, track, ça permet de... Non, pourquoi il me fait passer par là? Alors que je voulais, donc honnêtement, passer par ici. Nous allons changer d'une pièce cette fois-ci. Donc on va prendre directement une voiture de course. Ah oui, donc voilà, je l'ai bien vu. Non, je l'ai bloqué. Oh, bah, une voiture. Par contre, vu le texte de l'ISAP où c'est marqué police, c'est à modifier dans les montages photo. Voilà. Va au nord-est jusqu'à Pixar Coast Guard HQ et survie. Je rappelle que c'est la dernière épreuve de track. Et donc cette fois-ci, je dois encore m'échapper. Mais en mettant une tire. Ouais. Il m'a encore déglingué. Non mais sérieux. Pignouf. Voilà. C'est tout ce que je dis. C'est tout ce que je dis. Pignouf. Alors, la première, vous allez arrêter de me déglinguer. Et de deux, je me déglingue et que je vais arrêter de me déglinguer. Tout simplement. Voilà. Je vais au garage directement. Là, nickel. Je vais faire passer de l'autre côté alors que je connais le chemin de raccourci. Voilà. Alors, avant de terminer cette vidéo, cette 32e épisode, je vais aller déglinguer une voiture qui roule à Paradise City. Donc ça m'a l'air d'être un bon choix de prendre une voiture de police comme ça. Et donc on se retrouve juste après. Donc à tout de suite. C'est juste là où je cherche. Arrête-toi, tout de suite. On s'est dégagé tous les deux. Arrête-toi tout de suite. Je suis la police. Je vous ordonne de vous arrêter immédiatement. Est-il passé? Allez, ça suffit. Je t'arrête immédiatement. Arrêtez-vous immédiatement. Et donc, écoutez, cher les Paradise. C'est ainsi que le 32e épisode
de Burnout Paradise Remake vous aura plu. Et dites-moi si vous trouvez ça encore impressionnant par rapport au takedown que j'ai pu faire. Wedge. Et parce que moi j'aime bien casser les voitures. Ouais, bon. On se retrouvera donc dans une prochaine épisode. Qui sera cette fois? Je vais vérifier un truc. Juste vérifier par rapport à... Donc il y aura 4 épreuves de Rodelwitch, 2 épreuves de Bernie, 2 épreuves de Showtime. Avec les musiques jouées par des groupes de Trafita. Voilà, attention, là ça rigole pas. Attention. Et donc, je vous dis donc à très bientôt. Prenez soin de vous. N'hésitez pas, comme d'habitude, de mettre des pouces bleus si ça vous aura plu. Un pouce rouge, peu importe la couleur, c'est pas interdit. Libre à vous. Et donc, on se retrouve donc bientôt dans une prochaine épisode. Et ciao tout le monde. De DJ Diabolica, la voix.